Arrivé au terme de sa mission, l'ambassadeur de France au Gabon est venu faire ses adieux au président de la transition. Après avoir passé 3 ans dans notre pays et vécu le coup de la libération du peuple gabonais, l'hôte du chef de l'État en sort satisfait du bon déroulement du processus de transition. Après 3 ans ici, et 3 ans qui sont terminés par une année, je pense, qu'on peut qualifier d'historique, j'ai très, très ému, très touché de pouvoir vivre ce que le Gabon a vécu au cours de l'année passée, une transition très, très impressionnante à laquelle, comme tous ceux qui vivaient au Gabon, comme tous les Gabonais, j'ai vibré, j'ai vécu ce moment donc particulier pour ce pays. Ce que j'aurais essayé de faire, c'est ce que j'ai dit au président, c'est ce que j'aurais essayé de faire, c'est de faire en sorte déjà qu'en France on comprenne bien la mesure du phénomène historique qui est en train de se dérouler ici. Je pense que ça a été le cas. Et de voir de quelle manière, eh bien, nous pouvions, en tant que pays ami de longue date du Gabon, nous pouvions accompagner ça à la demande du Gabon et en liaison, bien sûr, avec ce que souhaitent les Gabonais. Et je pense qu'au bout d'un an, en tout cas, l'expérience est très encourageante. On a vu un pays qui s'est engagé dans une transition qui est claire, des engagements qui ont été pris et qui sont respectés dans le respect du droit des gens. Au cours de cette entrevue entre les deux personnalités, le plénipotentiaire est revenu sur tous les faits marquants durant les 3 années passées à la tête de la mission diplomatique de France en République gabonaise. Mon travail, au fond, ça a été ça, faire en sorte que, de part et d'autre, on sorte des stéréotypes, on sorte des idées reçues et qu'on se comprenne mieux mutuellement. Parce que le Gabon d'aujourd'hui n'est pas le Gabon qui existait il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans. La France d'aujourd'hui n'est pas la France qui était la France d'il y a 30 ans ou d'il y a 60 ans. Aujourd'hui, mon pays a une volonté de travailler d'égal à égal avec des pays sur la forme d'un partenariat. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est mieux compris. En tout cas, si c'est mieux compris, c'est que j'aurai réussi ma mission. Le président de la transition et le diplomate français sont revenus sur les différents axes de coopération bilatérale fondés sur l'amitié et les liens historiques. 3 ans de séjour au Gabon de l'ambassadeur qui ont été denses et fructueux pour l'ambassadeur qui en garde de bons souvenirs.